complètement allumé du cerveau, mais complètement taré ce mec. Et qui te mélange. Je vais défoncer, Nicole. Je vais défoncer. La Terre est plate. Bientôt, il va nous dire qu'il a dit bonjour à un extraterrestre et qu'en fait, il s'appelle Raël. Mais non, non, moi, enfin, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Donc, ils ont leur combat, très bien. Voilà. Ils ont leur combat. Donc, comme ça, il t'a associé Wilson à Raël, à je sais pas quoi, les extraterrestres, etc. Tu vois, c'est bon. Comme ça, il t'a foutu deux adversaires dans le même panier là. Sans en plus ouvertement s'afficher comme un opposant aux constituants, parce que lui, les constituants, ça le gêne. Ah bah, les constituants, ils tapent les francs-maçons, les sionistes, toutes les bonnes cibles. Donc pour un mec comme ça, lui, il passe juste pour un gros rigolo à côté. Un gros rigolo. Donc là, tu te rends compte ce qu'il a fait, là, c'est fort, hein. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut l'analyser, putain, Maxime, Nicole et Drouet. Les mecs là, c'est... Macron, c'est un subtil manipulateur, mais eux, c'est des Macron de tout terrain, tu vois ce que je veux dire? Ces acteurs de crise-là. C'est des mecs, c'est des baroudeurs, tu vois? Ils sont là, tac, vas-y, fais ça, contrôle comme ça, tu manipules comme ça et tout. C'est naturel pour eux. Pour ça que personne ne les capte. C'est au niveau des apparences, ça passe à l'aise. Je m'en lasse pas, Maxime Nicole, tu sais pourquoi? Parce que moi, je vois que ça te tape sur la tête à chaque fois que t'entends mon nom, la chrysalide post, putain, ça te rend dingue. Ça te rend dingue. Ah, je suis content. Ouais, j'étais un peu fâché, je me suis dit, connard de Maxime Nicole, etc. Non, non, je suis content, ça va bien, moi. Moi, ça va bien. Moi, on peut me parler de Maxime Nicole, je rigole, j'éclate de rire. Toi, on te parle de chrysalide post, ça te file une migraine tout de suite, là. Baisse d'énergie. Putain, pourtant, c'est pas faute de faire des rituels hein, dans votre dos, hein, pour vous donner du sortilège de séduction, etc. Ils doivent en faire des rituels hein, pour que la France elle tombe, il pousse. Hein. Puis nous, braves Français, on s'est juste réunis, tu vois, on n'est même pas trop peu nombreux, tu vois, et puis on prie quand même avec un bon cœur, et puis brah, on vous met vos traces. Pauvre petit chétan, là. Ah là 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 là. Vous êtes quand même tombés dans un sale piège, hein, des vilains méchants. Il y a un truc qui me dérange, c'est que... Sirius des constituants fait peut-être du bon boulot sur plein de choses, mais quand je le vois soutenir une personne qui s'appelle Chrysalide, par exemple, qui est complètement allumé du cerveau, mais complètement taré, ce mec, et qui te... T'es pour te trouver des ciblages de manifs et des choses intelligentes à dire dans les médias, c'est une merde, mais alors par contre, pour te faire d'une pierre deux coups, comme ça, et puis vas-y, croche-pied, façon Chrysalide sur Wilson, et puis comme ça, je vous nique tous les deux en même temps, voilà ce qu'il fait, cet enfoiré, là. Et en plus... Il est malin, hein, parce qu'il ne le fait pas ouvertement, parce que bah, s'il critiquait ouvertement les constituants, ah bah, il passerait pour un pauvre con, parce que tout le monde a compris que les constituants, c'était un exemple dans le mouvement Gilets jaunes. Donc non, non, il les décrédibilise. Ce mec-là, il viendrait traiter un mec comme moi de complotiste. Mais il ne peut pas dire ça, tu vois, parce que sinon, il se grillerait comme étant un mec qui sert le système, forcément. Donc je lui donne mal au crâne, pourquoi? Parce qu'on dit les vérités, nous. On dit toutes les vérités et le fait que ce mec-là est un acteur qui joue un rôle pour manipuler les foules au service de la haute élite luciférienne. Tu pourrais te mettre torse nu une fois, je suis sûr que t'as des tatouages intéressants sur le corps. J'aimerais bien voir ça. Je pense que tu dois avoir un putain de pentacle tatoué quelque part. Ouais, je le sens bien, ça. Mélange des versets de la Bible avec la Terre est plate, bientôt il va nous dire qu'il a dit bonjour à un extraterrestre et qu'en fait il s'appelle Raël. Mais non, non, moi, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Tu m'étonnes. Ils ont leur combat. Putain, je pourrais me le passer en boucle, le passage là, où t'as mal à la tête là. Pas très bien. Nous, notre combat, c'est les trois revendications principales, celles dont on a parlé. Les trois revendications principales. Ah ouais? T'as jamais entendu parler des quatre vérités, les quatre racines du mal, sionisme, franc-maçonnerie, esclavage à la dette et tout ce qui concerne ce qui est fait aux enfants et toutes les explications qu'on a fait autour de tout ça? Ah non, mais toi, t'as un autre concept. Alors explique-nous, c'est quoi tes trois conneries, là? Des centaines de milliards de fois. Des centaines de milliards de fois? Ouais, bah ouais, moi aussi, alors, tu pourrais le répéter, donc vas-y. Pour le reste, je laisse faire leur guerre sainte ou je sais pas quoi, ou... Leur guerre sainte.
Un de ces quatre, toi, tu vas avoir la peau qui va devenir toute verte, toi. Leur guerre sainte. Mais couillon de Maxime Nicole, plutôt que de cracher comme ça sur les croyants, en parlant de guerre sainte, donc en associant les croyants à des gens belliqueux, tu te rends compte toute la manipulation? Lui, en une phrase, il t'endort toute une pièce. Je te dis, vous prenez pour un gogol, mais c'est juste un très fin manipulateur. C'est un rouquin, c'est tout, c'est un renard, hein, le mec. Depuis qu'il est gosse, hein. Il manipule, sous ta gueule, etc., quoi. C'est tout, hein. Ça y est, il va me traiter de raciste parce que je me fous de sa gueule. Oh, ça va, regarde, moi, tu me traites de taré, de raélien, d'extraterrestre ou je sais pas quoi. Alors, attends, on a le droit de te renvoyer la balle un peu. On joue au ping-pong avec toi, on t'a déjà dit. Nous, on a tout le temps. On a toute l'éternité devant nous pour ça. Par contre, c'est les Français qui sont dans l'urgence. Ah bah parce que si les Français ils continuent à bercer dans des pièges comme ça, ils vont aller dans la merde, bien comme il faut. Donc, ça te fait mal au crâne. Je peux? Et dernier coup, dernier coup. Nous, notre combat, c'est les trois revendications principales, celles dont on a. Ah oui, alors tes trois revendications principales. Oui, c'est Rodrigue. Oui. Alors c'est quoi? C'est le RIC, c'est quoi? Plus de pouvoir d'achat et puis quoi d'autre? Des merdes, quoi. Voilà, ça c'est des carottes, ça c'est des appâts pour les Français, hein. Vous leur tendez une carotte et puis vous faites venez petit petit, nous on va vous amener vers plus de sous-sous les sous-sous, hein. Et puis un peu plus de démocratie, surtout pas le pouvoir au peuple français, non. Maxime Nicole, Bouleau, Ludowski, Drouet, Rodriguez, ils te disent jamais, on veut récupérer tout le pouvoir en France pour le peuple, le redonner une peuple, une vraie démocratie première, hein. On en discutera encore des concepts, vous vous stressez pas. Mais tu vois, ce serait déjà mieux que sa connerie de RIC. N'importe quoi, le RIC. Que le peuple décide. Mais le peuple, il pourra jamais rien décider tant que les francs-maçons décideront de tout dans les coulisses. Donc si tu parles pas de la franc-maçonnerie, tu pourras faire des RIC, des ROC, des RAC, des RIC, du RUC, tout ce que tu veux. Tu te feras baiser la gueule, français. Mais ça, Maxime Nicole, il te le dira jamais. Pourtant, moi, je lui ai expliqué ça. En face de lui, et il me répondait quoi? Vous irez voir la vidéo à Villerue, là. Il répondait quoi? Il disait, oui, je sais, mais c'est plus compliqué que ça, machin. Il te servait des chuchuchut, comme une anguille, tu vois. Et là, il fait ça. Alors que moi, il est venu me lécher le cul presque, putain. Je suis fan, etc. Il avait dit qu'il viendrait. Oh là là, je suis tellement heureux que tu sois là, de parler avec toi, Chrysalide Post et tout. Oh là 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 là, hein? Le gros numéro de l'embobineur. Et le lendemain, cet enfoiré-là, il balançait ma photo sur Facebook. En lançant presque une chasse à l'homme en plus, ce con-là. Tu vois? Oh putain. Qu'est-ce que t'as besoin de quoi d'autre comme preuve? Franchement, j'en fais pas un cas personnel de ce mec-là, j'en ai rien à foutre. Moi, ce qui m'intéresse, je vous l'ai déjà dit, c'est ceux qui sont tout en haut, là, l'œil au-dessus de la pyramide, les gros gros mondialistes, là, les gros loups. Lui, c'est un petit loup, mais un petit loup qui casse les pieds parce que regarde, tout le monde s'attendrit. Tout le monde a. Oh, regarde, Maxime Nicole, il est là pour nous sauver. Les faux prophètes, putain, regardez ça, là. Il vous habitue déjà à accepter des faux messies, c'est ça. C'est le plan du Dajjal. Là, ça, c'est les petits gremlins, ça, tu vois. C'est les petits monstres pour te faire accepter le grand monstre. Là, vous êtes séduit, il est tout souriant, il a l'air de tout faire pour toi, etc. Sauf que le mec-là, il t'amène vers l'enfer. Aussi simple que ça. À parler des centaines de milliards de fois. Pour le reste, je les laisse faire leur guerre sainte ou je sais pas quoi. Je me méfie de Flyrider Maxime, surtout quand il a pas sa casquette. C'est pourquoi? Parce qu'on voit tes cornes un petit peu, couillon. Mais dès qu'ils sont sur l'étal, le prix change et très honoré. Ouais, pas reçu ma carte d'électeur, comme par hasard. Comme par hasard. Ah, ça c'est peut-être parce que t'as trop traîné avec Assange et Branco en boîte de nuit, du coup, t'es fiché S ou je sais pas quoi, tu sais. Mais tu peux te pointer à toutes les manifs que tu veux, et y a jamais personne qui vient te casser les couilles ou qui vient t'arrêter. Non, non, non. Ah non, bien sûr que non. Va voir devant une loge de francs-maçons, et puis t'invectives un petit peu les francs-maçons qui rentrent dans la loge, tu leur poses des questions, tu les fais chier, tu leur casses les couilles. Fais-le ça, Maxime Nicole, si tu veux faire avancer le mouvement comme le font les Gilets jaunes constituants du 91. Et d'autres en France qui vont devant les loges. Tiens, il y en a un qui m'a envoyé un commentaire dernièrement. Il était à la loge rue des Villiers, là, où on va aller jouer au tennis très bientôt. Inch'Allah. Et puis, garde à vue, dis donc. Direct.
Mais attends, c'est énorme, non? Maxime Nicole, tu prends quoi comme risque, toi? Aucun. Tu fais le fanfaron derrière ton écran, tu envoies les gens dans les rues aux Champs-Élysées en leur montant la tête, etc. Et puis voilà. Mais tu fais avancer quoi? Dans les médias, t'es hyper consensuel, tu fais croire que, tu fais semblant, comme tous ces connards de la télé, c'est pareil, c'est pareil. On le connaît le spectacle. Mais tu dis quoi comme vérité qui fait mal au système? À un moment donné, t'as voulu te la jouer chez Tadei, t'as évoqué un petit peu les quatre sujets vite fait, mais puis t'as tout de suite mis la sourdine dessus. Et puis là, ça y est, c'est bon, oh là là, mais si, j'en ai parlé, regardez, j'en ai parlé à tout le monde, tu vois. Mais pour tout déficeler, alors tu comprends rien, mais pourquoi t'as pas accepté qu'on t'instruise? Mais parce que t'en as rien à foutre, parce que tu connais déjà tout ça. Mais toi, t'es pas là pour qu'on parle de franc-maçonnerie, de sionisme, d'esclavage à la dette, de non-souveraineté monétaire et de ce qui est fait sur les enfants de l'éducation nationale jusqu'au réseau pédo-sataniste. T'as connu ça, Maxime Nicole, les réseaux pédo-satanistes? Forcément. Forcément. Tiens, tu sais pourquoi il faut qu'on parle de la franc-maçonnerie dans ta guerre sainte, espèce de nabo? Regarde, je vais te montrer ça. Tiens, Maximus Nicolus et puis tous les aficionados, là, vous irez voir ça, c'est une très bonne chaîne. Vei Deera, hein? Il parle de franc-maçonnerie, etc. Il a bien compris les choses. Et puis il te parle de ça. C'est un pilote, tu vois, qui s'est fait capter. Hein? Et puis, qu'est-ce qu'ils ont trouvé sur son torse? Ah ben le mec, il avait juste un putain de gros pentacle tatoué, tu vois. Donc, regarde la franc-maçonnerie. Tiens, tu te rappelles de ça? Vous irez voir ça. Hein? Puis ça, on le retrouve chez les francs-maçons. C'est le même genre de symbolique qu'on retrouve chez Branco. Hein? Branco, il est fan de ça. Vous irez voir ça. Sataniste impliqué en guerre de Libye et partout ailleurs. Vaidera. Les symboles maçonniques et les symboles lucifériens, ils sont totalement corrélés ensemble. Et alors regarde ça. Ça, c'est la franc-maçonnerie, Maxime Nicole. Tous les degrés de la franc-maçonnerie. Exploitation vicieuse de la curiosité, exploitation vicieuse, nanana, septième degré, glorification du mal, guerre au bien. Huitième degré, c'est des petites merdes, hein, mais au huitième degré, il commence déjà, c'est guerre au bien. Donc par quoi? Ben, par la vengeance. La mort à toutes les religions, la glorification de l'athéisme et puis de l'anarchie, l'exploitation vicieuse de l'orgueil, nanani, tu vois, toutes les merdes là. Ensuite, on arrive à quoi? Oh là là, 14e degré, etc. Pouh, bah dis donc, voilà, quel beau programme, hein? Quel beau programme. Tiens, exploitation corruptrice du patriotisme. Ça, tu l'as déjà eu, l'examen là, Maxime Nicole, parce que c'est ce que tu fais, toi déjà. Glorification de la perversion. Bon, t'en es peut-être pas encore. Perversion des masses populaires. Tu vois, c'est des hauts initiés, en fait, ces couillons-là. Perversion des classes dirigeantes, ça, c'est plutôt Attali. Tu vois, Attali, là, ouh. Lui, c'est ce qu'il a fait, lui. Perversion de la liberté. Perversion de l'égalité. Alors regarde, 29e degré, la négation du créateur. Pourquoi ils détestent autant Dieu, les francs-maçons? Mais c'est pour ça. 30e degré, glorification de l'hypocrisie. Ben dis donc. 31e degré, parodie de justice. Oh là là, mais jusqu'où ça va-t-il aller? 32e degré, parodie avilissante de la légalité. 33e degré, glorification de Satan. Pour info, ça peut aller jusqu'au 99e degré, la franc-maçonnerie, hein, dans les rites égyptiens, les trucs vraiment poussés, quoi. Ok? Hein? Donc, ta guerre sainte, couillon de Maxime Nicole, regarde, quand tu vois ton pape qui te fait des cornues toutes les 5 minutes comme ça, excuse-moi, hein, non, arrête de raconter nimp. D'accord? Donc, on te retrouve. Dans pas longtemps, hein. Laisse-moi juste encore un petit peu de temps parce que tu vois, on a beaucoup de choses à faire et puis nous on bosse et puis nous on a des vies, etc. On n'est pas employé par les mondialistes pour s'occuper des gilets jaunes H24 comme toi tu le fais. Et pourtant, t'as vu, je passe du temps, hein. Beaucoup de temps, hein. J'ai pas le sentiment que tu sois aussi motivé qu'un mec comme moi pour que la France se sorte des pièges, hein. Donc ce que tu fais là, Maxime Nicole, aux yeux de l'histoire, devant l'éternel,
ça te coûtera très très cher. Très 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 cher. Sur ce, à bientôt, Maximus Nicolus. Didn't leave a one spliff on me. If they found one, they'd surely move spliff on me. Family and friends would surely be missing me. Meanwhile, gang is having that epiphany. I'm being searched by a squad named Tiffany. The way she heard me, my something gets stiff on me. Still, my slide through smooth like the ship on me. As they're done searching the pyramid, they turn their attention to the drama kit. Dealing with the rasta like an invalid, demonstrating how Babylon wicked.